Bon, petite vidéo rapide. 32,53 €. Qu'est-ce que j'ai pris? Oh! J'ai pas mis, j'ai pris un seau. Bon, c'est pour transporter, j'en ai besoin de tout. J'ai pris un seau, je l'ai payé 1,15 €. Bon, c'est pas cher. Après, j'ai pris des boissons 89 centimes. Arizona Green, Tea, Honey, Pomegranate et Watermelon. Bon, c'est pas dur à savoir. Hein. Donc, Pomegranate, bah, la grenade. Hein. On dit grenade, ça? Je crois que c'est grenade qu'on dit. Après, melon d'eau, pastèque. Et thé avec thé vert. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris Spectrum Pantera Sol. Noir, mat. Putain, je sais même plus c'est pourquoi. J'ai pris ça, mais je sais plus c'est pour où. Oh, punaise, je sais plus, je l'ai oublié de noter. Bon, bah, enfin, je retrouve. On s'en peut ranger. J'ai pris piège à guêpe. 9 cm par 9 sur 12,5 de haut. 89 centimes. Donc là, les écolos, je les entends. Ouais, tu vas tuer les guêpes! Ouais, mais les guêpes, pas tuer les abeilles. Ouais, mais tu vas tuer les abeilles! Bah non, en fait, ça dépend ce que tu mets en composant dedans, mon ami. Faut réfléchir. Je suis pas écolo, en fait, moi. Je serais écolo, je ferais une bêtise, je tuerais les guêpes, les abeilles. En fait, tu vois, tout dépend du mélange que tu mets dedans. Les abeilles vont pas mourir, elles vont partir. Et elles seront sauvées. Par contre, les guêpes, les frelons, les mouches, là, par contre, oui, on va pouvoir s'en débarrasser et on va sauver des vies. Donc, j'ai pris deux. Ah, ça s'arrange ailleurs. USB A tout USB-C. Je ne sais plus pour où ça. Bon, je retrouve aussi. J'ai pris ce câble-là. Enfin, je retrouve, c'est pour où? C'était peut-être pour le travail, je crois. Oui, c'est ça, c'était pour le travail. Je vais le mettre dans mon sac. Donc ça, je l'ai payé combien? Un 79. 1,50 m les câbles. USB A, USB-C. Après, j'ai serrure. À glissière inox assortiment 89 centimes et l'autre 99. Bon, pareil. Il y en a une, elle est grande. Elle a fait 100 mm, pas mal. Hein? 89 centimes, c'est bon. J'ai testé, voir si j'en reprends d'autres. J'ai pas mal de travaux à faire. Elles sont bien. Hein? Quand même les tester. Bon, à la base, c'est qu'une serrure. Hein? Donc, celle-là, est-ce que je peux mettre un cadenas? Non, ça, c'est juste des targets. Et celle-là, ah, pareil, c'est que des targets. Alors, je retrouve, c'est pour où? Ouais, c'est dommage, je veux pas le. Ah, c'est juste les targets, ça. Bon, après, j'ai les Stanil. Non, les cutting disc. Donc, Stanil Steel. 125 mm. Et ça, c'est 12,5 cm, quoi. Voilà. Une dizaine. Ouais, c'est pas de la super qualité, mais j'ai fait pas mal de trucs avec. J'ai acheté. Quand tu payes ça à 3,99 euros, quasiment 4 euros, t'en fous. Après, des petites vis, ça, j'ai acheté. Super qualité. Hein, j'ai pas fait. C'est du Fisher, quoi. Donc, ça, j'ai payé ça combien? Les 100 pièces. Que dalle, hein. Donc les 100 pièces, j'ai dû payer ça 98. Va dans le magasin de bricolage, je vais acheter ce prix-là. On va rigoler. Japanese Steel. Bon, bah ça, vous avez déjà vu. Comme d'hab, hein. Ça coûte 1 euro, 2 euros. Ça coûte. Bah, je sais pas. Ah si. Non. 1,99. Donc ça, ce sera en valeur. Il reste ça, on va le tester pour nettoyer les tapis de voiture, les jantes, un peu tout. On va tester parce que moi j'ai déjà testé avec une brosse, mais là tu vois, t'as l'embout direct. Et bah ça a l'air super bien quand même. Je vais le tester. Ça coûte 4 euros aussi. 4 euros, pas cher. Et après, le dernier truc qu'on a,
Ah non, l'avant-dernier. On a le sécateur. J'en ai déjà un, mais il s'allumait. Donc là, je vais faire pas mal de travaux, les gars. Ça... Ah, il est pas mal, la poignée. Hein. C'est pas mal, j'aime bien. Ça coûte que... Ah, je sais pas. Comme d'hab. Comme d'hab, 3 euros. 2,99. Et pour finir, bah, j'en ai déjà pris, ça vous avez déjà vu, c'est super bien, ça coûte pas cher, des petites équerres. Donc ça, je vais le mettre avec les autres. Et ça, les équerres, ça coûte 5,67. L'ensemble, j'en ai eu pour 1,89 chacun, il y a à chaque fois. C'est des équerres de 40 mm sur 40, c'est des 7 de 10. Franchement, trouve-moi des équerres à ce prix-là. Un magasin de bricolage. Il y en a qui vont dire, ouais, elles sont pas solides. Ouais, sincèrement, je veux dire, elles sont super solides. Donc voilà. Merci à tout le monde de liker, partager et à bientôt.